Yo, bonjour tout le monde, c'est Nourso Micro, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des épisodes dont Stagne en Platine, la série qui n'en finit pas. Et d'autant plus que même avec l'aide de l'ami Makos, je n'arrive pas à gagner puisqu'il s'est fait poutrer en utilisant mon compte hier à Libar. Je suis donc dans la merde, j'ai encore perdu des places, merci Makos. Donc sans plus attendre, on va switcher de scène. C'est parti! Hop, je vais mettre ça sur l'autre écran, ce sera plus mieux. Et voilà, let's go! Alors, je vais vous remettre juste la musique du jeu, parce que j'en ai ras-le-bol de YouTube qui me saoule. Avec des soi-disant droits d'auteur qui n'existent pas. Donc, pour quelques épisodes, on va faire une petite pause musicale en attendant que je trouve une solution définitive où j'ai pas besoin de passer plus d'une heure sur chaque VOD à tenter de justifier le fait que les musiques que je vous mets n'ont pas de droit d'auteur et qu'au final, je me fasse quand même refouler mes VOD. Et on va jouer contre Chewbacca. Il doit être un peu poilu, là, monsieur. Run. Superbe TBT qui s'annonce avec du mass tank contre du mass tank, à savoir qui siégera ses tanks en premier au bon endroit. Ils ont dû changer les musiques du jeu parce que celle-là ne me disait rien. C'est bizarre. Je suis tout froid de partout. Voilà. Stop-leur seulement Facebook. Ah, celle-là je connais. On est comme mon tapis un jour. Thank you.
La base est attaquée. Ver de terre, c'est le frangin à ma cause. Donc c'est une blague, je ne suis pas homophobe, je n'ai rien contre les homosexuels, c'est juste une boutade. Je m'explique pourquoi. Hier, nous étions à Libar à Besançon et il y avait un tournoi girly organisé sur le jeu Mario Kart sur Super Nintendo. Et afin de pouvoir y participer, il y a plusieurs mecs qui se sont déguisés en filles et c'était plutôt sympa. Et ils ont bien joué le rôle, c'était bien marrant, c'était bien comique. Et ils ont fait des groupies vers ma cause. Voilà, d'où cette petite conversation avec Vert de Terre qui, je vous le rappelle, est le frangin de ma cause. Ça n'a donc rien d'homophobe ou quoi que ce soit, ou ne le prenez pas mal. On va tenter de faire du nuke, tiens. D'accord, donc j'étais bien intercepté.
Mission terminée. Comme quoi le mass marine, ça marche bien. Ouais. Switcher deux petites secondes de scène. Bon, juste deux petites secondes. Bon bah elle répond pas, je me fous en occupé. Je rechange les scènes. Tac, tac. Et on est reparti. Alors est-ce qu'on la re-regarde vite fait? On la re-regarde vite fait. Bon je pense savoir pourquoi j'ai perdu. Je pense tout simplement que je n'avais pas assez de temps pour contrer un mass marine. Et j'étais mal positionné. Putain, c'est quoi cette résolution dégueulasse? C'est vrai, c'est dégueulasse. J'ai l'impression d'être en 600 voire 400. J'aime pas leur nouveau truc, leur replay. J'aime pas du tout. Clairement, il a fait du marine. Beaucoup de marine. Ouais, donc, ouais. On rappelle la différence entre EPM et APM. EPM, c'est les trucs qui sont utiles. APM, c'est les trucs qui servent à rien.
Ah, il y a des marines en plus, quoi. Un marine contre 42, il n'y a pas de photo. Marines contre 81. Cet homme aime les marines. Ah ouais. Ah, il a mieux joué que moi. Hein. 69 et 60, ouais. Plus de. Ouais, plusieurs acteurs. Tout simplement. Alors, la faille. Je vous mets vite en arrière. Parce qu'en fait, c'est là où tout se joue. Qu'est-ce qui se passe? Il casse le truc, je suis pas au courant qu'il casse le truc parce que je n'ai rien ici pour voir qu'il casse le truc. Mes tanks sont mal positionnés, il faut toujours avoir un tank ici. D'accord. Là je me fais un peu péter par les tanks, mais pas trop. Là j'aurais du siège de suite. J'aurais pas dû rentrer dans le boulot. Si j'ai trop tard mon tank là, j'aurais dû ramener celui-là plutôt aussi. Voilà, donc je pense que j'aurais pu le tenir. Si comme je vous dis, j'avais siégé mon tank ici plus tôt, si j'avais ramené ici celui-là, et si j'en avais fait d'autres surtout. Surtout. Voilà, voilà. Allez, on est reparti pour une deuxième game. Alors, la club qui colle le chewing-gum, ça c'est génial. Putain de merde. Voilà pourquoi faut pas foutre des chewing-gums dans les cendriers. C'est dégueulasse. Je vais pas fumer du chewing-gum. J'ai trouvé des ciseaux, un cutter, un couteau. Voilà. Et AMZ TBA. Un terrain encore, mode des terrains. Et je suis Protoss. Putain, j'ai tenté de lui faire le push que ma cause m'a fait hier. Alors ça risque de pas être exécuté pareil.
Ah, t'es avec Facebook! Oh non, c'est quoi ce spam d'enculé? Deux petites secondes, cela ça va plus là. Un seul dépôt et récolte. Et c'est Reaper. De ah, bizarre ça. Pardon.
intéressant, là je suis all in. Donc il va falloir faire quelque chose. Ok, GG. Bon, c'est un massacre. C'est un total massacre. Pourquoi ça s'est massacré? Qu'est-ce qui lui a fait faire 3 bunkers, cet enculé? C'est vraiment horrible la résolution des rappels. Alors, il focus pas le colosse. Tower tout le long du truc, ça va pas passer du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Oui, écoutez, je vais vous laisser sur cette double défaite. Youhou! J'espère que ça vous aura quand même plu. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Je vais faire la gestion des photos de Libar avec le troll pour les parents de ma cause. A bientôt tout le monde, d'ici le prochain épisode, portez-vous bien, bisous bisous, ciao.